ces dernières années, il y a toujours eu le promu surprise qui titille les favoris. Le début de saison est marqué par le très beau parcours de Metz, quatrième du championnat. Les hommes d'Albert Cartier, savoureux mélange de jeunes du centre et d'anciens habitués aux joutes de la Ligue 1, démarrent très fort. Ils démarrent fort sur la pelouse également. Première occasion pour Metz. Superbe réflexe de Merville sur cette frappe de Engba Koto. 12e minute, une leçon de combinaison sur coup franc. La passe de Sarr pour un pivot dans la surface qui décale Engba Koto. But exceptionnel. À la pause, les Messins mènent 1-0. Les Nîmois ne s'étaient pas encore approchés de la surface de réparation messine. 58e minute, la tête d'Aurélien Bosch, égalisation des Gardois. Très beau centre également de Jean-Alain Fonchon, l'ancien Strasbourgeois. Les Messins qui poussent pour reprendre l'avantage, la tête de Gaëtan Busman passe juste au-dessus de la cage de Merville. Très bon centre de Rocky également sur coup franc. Rocky à la passe, Rocky presque à la finition. Le pétard de Rocky sur la barre transversale, Merville était battu. Metz pousse très fort pour marquer et Metz se fait punir sur contre-attaque. 79e minute, Riyad Nouri trompe Johan Carasso. Il crucifie Saint-Symphorien, Carasso est battu. Très bon centre de Sissoko. Les Messins qui poussaient pour marquer et qui se sont fait surprendre sur un débordement sur l'aile gauche. La joie de Riyad Nouri, de courte durée, Metz dans les arrêts de jeu parvient à égaliser. À force de conviction, Nicolas Fauvergue offre un point très précieux au Lorrain sous les jambes de Merville. Son deuxième but de la saison. Le FCM, toujours aussi séduisant, aurait pu l'emporter, mais reste quatrième du championnat. Le meilleur promu est de loin pour l'instant.